Alors aujourd'hui, nous terminons le deuxième épisode des Rencontres Clés dans le merveilleux château d'Augerville. Nous avons passé un week-end inoubliable en compagnie de mes amis musiciens et du public qui est venu nous rejoindre et des enfants qui sont venus aussi écouter le concert. Donc c'est avec joie et un petit peu de tristesse que nous quittons ce lieu magique. La vocation des rencontres clés, c'est d'utiliser les hôtels qui sont sur tous les territoires pour amener la musique partout en France à la rencontre de publics qui parfois en sont éloignés et qui parfois en sont privés. Ça peut être des enfants, des scolaires, des groupes scolaires, mais ça peut être aussi des personnes âgées, des personnes malades. Les rencontres clés, c'est un projet exclusif dans des lieux magnifiques et inclusif dans des lieux magnifiques. C'est l'idée de faire partager au plus grand nombre le privilège d'être dans ces lieux magiques. L'idée d'accueillir des enfants, d'accueillir un public de ces territoires qui n'a pas forcément accès à ces lieux, et en même temps de rencontrer la clientèle de ces lieux. Les rencontres clés, elles fonctionnent dans ce momentum, dans ce moment-là, sur la rencontre. La rencontre entre le public et les musiciens, entre les musiciens entre eux, entre différentes générations en particulier, parce qu'on a des musiciens internationaux confirmés, puis on a aussi de plus jeunes musiciens qui vont jouer ensemble, qui vont jouer l'un pour l'autre également. Et donc, derrière les rencontres clés, il y a aussi la capacité de pouvoir se retrouver dans des lieux à taille humaine, qui favorisent le dialogue, qui favorisent l'échange et qui permettent d'échanger à hauteur d'homme et pas seulement d'un public et d'une estrade, mais bien de se retrouver en face à face et de pouvoir échanger. J'invite le public cette fois-ci à nous rejoindre pour la troisième étape de ce voyage, de ce festival, à Gémenos, dans une bastide absolument sublime, la Magdelaine. Nous allons jouer dans une orangerie, un endroit très intime. Je peux déjà vous dire aussi qu'il y a une très bonne table, qu'on y mange très bien. Et donc je vous invite à nous rejoindre à la fois dans cette intimité et dans cette ouverture.